Voici Ben, un jeune homme aux multiples talents. Il est bon élève. Il aime la physique, les arts, la technique et la musique. Il s'intéresse à la nature et aux animaux. Ben aimerait pouvoir allier profession et passion. Profession, carrière, avenir. Vers quoi Ben va-t-il s'orienter? Et quel a été le parcours d'autres jeunes? C'est le propos de ce film. Prenons l'exemple de Lelo Yadeza. C'est au cours d'un projet scolaire qu'elle a découvert sa passion pour la technique. Elle a trouvé une place d'apprentissage de polymécanicienne chez Bobst. Faire sa formation professionnelle initiale dans une société tournée vers l'international, c'est une bonne base et une ouverture vers l'étranger. Rodolphe Keller a aussi appris chez Bobst la profession de ses rêves, celle d'électrotechnicien. Il a ensuite beaucoup voyagé, notamment en Extrême-Orient. Lelo Yadeza trouve qu'il est plutôt cool. Il sait de quoi il parle. Même s'il est cadre supérieur, il connaît chaque machine sur le bout des doigts. Et Ben? Il n'arrivait toujours pas à se décider. Star de cinéma, ça lui aurait bien plu. Mais laissons-le tâter du terrain et jouer dans ce film le rôle de Peter Odermatt John, aujourd'hui directeur général et qui, enfant, voulait devenir maître dégustateur. Que cette profession n'existe pas, cela ne gênait nullement le petit Peter. Une fois qu'il avait quelque chose en tête, difficile de lui faire changer d'avis. Comme lorsqu'il est allé à l'école pour la dernière fois. Hé, c'est la première scène avec Ben. Le début d'une carrière de star? Actuellement, Monica Neff dirige une équipe de 10 personnes dans le domaine du conseil à la clientèle. Elle sait depuis l'école, elle veut devenir directrice de banque. Son modèle, c'est Gabrielle Bourne, directrice d'une filiale bancaire à 30 ans. L'atout à l'époque, c'était sûrement ses 13 années d'expérience du terrain acquises grâce à la formation professionnelle. Difficile de dire pourquoi le prof n'a rien fait quand il n'a trouvé que les livres de Peter après les vacances. Et les parents de Peter, ils le savaient. Quand leur fils avait une idée en tête et cela noté sur l'un de ses fameux pense-bêtes, impossible de lui faire changer d'avis. David Cretenan a opté après une scolarité brillante pour un apprentissage de laborantin en chimie. C'était tout à fait ce qu'il me fallait. Je ne voulais pas seulement utiliser ma tête, mais aussi mes mains. Cela dit, je comprends aussi mes collègues qui ont préféré un parcours académique. Après tout, on peut y arriver par ses deux voies. Peter a fini par se faire embaucher comme commis de cuisine. Il avait 15 ans et ne se préoccupait ni des règles, ni de son avenir. Mais sa patronne a su déceler son potentiel. Et elle a décidé avec le chef de cuisine de créer une place d'apprentissage de cuisinier rien que pour lui. Une relève bien formée, c'est le symbole d'une entreprise tournée vers l'avenir. Transmettre des connaissances, c'est aussi transmettre des responsabilités. Adolescent, Peter ne voulait pas comprendre quelle chance sa formation professionnelle lui offrait. Lors du tournage, des parallèles étonnants sont apparus entre notre star Ben et le personnage qu'il incarnait. Ben n'en revient pas qu'on le fasse travailler en cuisine durant le tournage. David Cretenan pourrait être un exemple pour Ben.
Il a obtenu sa maturité professionnelle après une formation professionnelle initiale, puis a étudié dans une haute école spécialisée, HES, et à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, EPFZ. Son diplôme et son titre de docteur en poche, il a créé sa propre start-up. Selon lui, quand on commence quelque chose, on doit aller jusqu'au bout. Peter Odermatt se souvient encore de ce qu'il s'est dit à ce moment-là. « Je veux faire quelque chose de ma vie. » Et comme toujours, quand il a une idée en tête, il s'est donné les moyens d'arriver à ses fins. Okay. Il a travaillé dur pendant les deux dernières années de sa formation professionnelle initiale de cuisinier. Il a eu les meilleures notes de son canton à l'examen de fin d'apprentissage et obtenu la 5e place au championnat suisse des métiers. Ensuite, il a su tirer parti des nombreuses possibilités et passerelles qu'offre le système de formation professionnelle suisse pour se perfectionner. Peter Odermatt est aujourd'hui un défenseur acharné de la formation professionnelle. C'est pourquoi son entreprise investit beaucoup dans la formation des jeunes. Les jeunes en formation participent dès le départ aux travaux quotidiens. Ils contribuent ainsi à la rentabilité de l'entreprise. Ils acquièrent des savoir-faire et apprennent aussi comment travailler selon des critères commerciaux. C'est un investissement rentable. L'entreprise en retire un bénéfice considérable. Les jeunes en formation deviennent peu à peu des professionnels confirmés. Et après leur formation, ils sont opérationnels dès le premier jour. Toutes nos félicitations à Ben. Il a bien joué son rôle. Tellement bien que le vrai Peter Odermatt voulait absolument le rencontrer. Odermatt se souvient avec émotion de ses journées en cuisine, du poisson, du flipper. Aujourd'hui, il a bien conscience d'avoir posé à ce moment-là les bases de sa carrière professionnelle. Et Ben, faire l'acteur, ce n'est pas vraiment son truc. Il a noté sur un pense-bête la profession qu'il souhaiterait exercer. C'est important d'avoir un objectif clair. D'ailleurs, ce ne sont pas les professions qui manquent. Le monde du travail est soumis à de rapides changements et à une forte concurrence mondiale. Le système suisse de formation professionnelle est dynamique et souple. Il s'adapte en permanence aux exigences économiques et crée des formations pour les nouvelles professions du 21e siècle. Celui qui est bien armé peut réussir face à la fébrilité de notre monde du travail. C'est vrai pour les individus, pour le système de formation, pour les milieux économiques et par là même pour toute la Suisse.